Président Jovenel Moïse, ça fait encore même un mois. Martin Moïse, le candidat à la présidence. Mais question, moi-même, je vais vous poser actuellement là. Est-ce si barbecue t'a posé candidat? Ce n'est pas impossible parce que moi-même, ensemble avec vous, connais bien, ça fait depuis quelques temps, pas gagné normal qui arrive dans le pays d'Haïti. Qui ont l'autre question de poser, qui boit qui des dos Martine Moïse, même pour ta même oser à même penser à poser candidat. Now, ça t'a voulu dire aussi, si barbecue, t'as gagné, ou bien bois banane barbecue, t'as pi gros passé Martine Moïse, il n'est pas impossible pour barbecue poser candidat. Et nous connaissons comment. Peuple haïtien, yo choisi moun pour représenter yo? Non. Bon, vous dites ça parce que ça fait longtemps depuis que haïtien vraiment pas choisi moun qui pour représenter c'est Bayo Bayo. Now, si vous avez le bon barbecue comme président, qui côté nous camper? Ça fait pas montrer nos quatre vidéos ça yo. Vidéo ça yo pour l'expliquer. Côté nous sorti. Et si monsieur t'a voulu prendre un barbecue, il n'est pas impossible. Et aussi, seul moyen pour Martin Moïse d'avoir président du pays d'Haïti, c'est si mon chayot, c'est s'il il en fait crocodile avec mon chayot seulement pour qu'il soit capable de vivre président du pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, gardez quatre vidéos et bien obtenez. Les Américains doivent supporter pour contrôler les commerciaux. Parce que ça fait ça. En pile dans Syrien, vous avez deux nationalités. Vous avez non seulement nationalité par, vous avez nationalité américaine. Côté gouvernement américain, a intervenu pour protection. Yo. Et puis, comme ça, vous avez créé une autre forme de pays, société avec classe, casse dans le pays pour contrôler, pour s'aider les choses dans tout sens. Pour ne pas jamais bailler et peuple haïtien, natif natal, une chance pour diriger propre destinée par lui. Un dernier bagage, par contre, si vous avez besoin d'ajouter un bagage. Mon boss, ce qui est important, je crois que le nombre de pays d'Haïti aujourd'hui, nous avons des conséquences politiques américaines, politiques économiques américaines dans le pays d'Haïti. Je vous connais là, c'est les Américains qui ont viré, tourné, qui ont fait des faits la chaos. 7 février arrivé, les Américains sont entrés, depuis le 1er février, ils étaient déjà connus Jean-Claude Bralé. Donc ça veut dire que c'est lui qui fait Jean-Claude aller à la dernière minute. C'est le peuple qui met Jean-Claude dehors, mais c'est lui-même qui a pris Jean-Claude physiquement, mettre le dehors, parce que s'il pas fait ça, je t'ai pris Jean-Claude dans le palais et le peuple a mis des gens qui veulent. Mais pour le peuple pas mettre des gens qui veulent, les Américains sont obligés d'intervenir pour faire une mascarade, pour faire comme s'il a payé des peuples haïtiens, et puis le prend Jean-Claude, lui mettre l'allée. Du point de vue économique, ça nous reconnaît là, les Américains ont voué une série de tuiles, une série de rester avec un coup de la tout et banou, comprenez, pour venir faire. Et application, ça veut dire réganomics dans le pays ici. C'est-à-dire, venir dénationaliser l'industrie, la caille, nous. Et puis, venir avec une politique côté permettre que, ils retirent par exemple 30 000, et pardon, 400 000 hectares de terre dans la culture. C'est-à-dire, dans la culture, dans l'agriculture. C'est une bagaille que nous avons fait promotion en bas. Pour retirer 30% de terre cultivable dans la culture. Pour paysans, ça y a 10 000, 20 000, 40 000 paysans à entrer dans le parc industriel dans Port-au-Prince pour travailler dans la manufacture, dans la factory dans Port-au-Prince. Bon, bagage extrêmement important. Est-ce que la manufacture aide Haïti? Bon, nous disons non, la manufacture pas aide Haïti. Pour qui raison? L'autre fait différence entre qui ça américain t'a supposé payer un américain dans le pays ici, soit par exemple 4 dollars. OK, par minimum parce que minimum légal ça lève dans pays c'est 3,55 $. Bon, puis faut moun pas toucher 3,55 $, toucher plus en moyenne 3, 4, 5 $. Sauf la différence 4 dollars entre 33 centimes, 37 centimes que haïtien yo paye par heure. Ça bon 3,65 $ de bénéfice que américain fait OK par heure sous chaque et haïtien que l'employé. Sous multiplier ça par 8 et vous multipliez soit vous n'avez pas 250 jours dans l'année, et qu'on multipliez résultat ça par 60 000 travailleurs, ça veut dire que l'Américain fait 420 millions de dollars seulement dans le salaire que, et bénéfice que le fait parce que le pas payé les gens pour la payer. Et si vous faites entrer dans le bagage, décoser quand vous avez les French benefits, là, parce que French benefits, là, coûte, si vous payez, ok? Ou bon, son dépense qu'on fait, son pas payé, son saving, son économie qu'on fait. Donc, y a pas bon vacances, y a pas bon vacances, y a pas bon congé, y a pas bon soin pour dans où, y a pas bon soin pour son malade pour l'hôpital, etc. Donc, y a pas permettre de faire syndicat pour défendre tête tout, comprenez?
Donc, c'est des bagages extraordinaires. Et puis, ça qui est important encore, c'est que compagnie américaine, ça, l'entrée la carrière, le gouvernement a 9 ans minimum de, pour ne pas payer taxes. Taxes free. Il n'y a pas aucune taxe sur les bagages que vous importez, il n'y a pas de taxes sur les bagages que vous faites dans le pays que vous exportez, il n'y a pas même utilisé matériel dans le pays. C'est ça, l'industrie de sous-traitance. Ouais, côté où on sait de tirer du site, qui prend bagages électroniques, vine dans le pays. Et puis, il prend bah, ça, il dit, bon, mettez-vous ensemble pour moi, assemblez-vous pour moi, et puis, vous voyez, pimpez par l'autre bord pour faire commerce. Bon, fuite, ça, c'est une fuite de capital tout. C'est-à-dire que, comme qui fait là, ok, il n'y a pas arrêté dans le pays pour réinvestir dans ces deux activités. C'est dans le pays américain que vous venez investir. Donc, que... toute gens, toute manière, au cas où vous dans le film, vous pas bénéficier. Travailleur, vous avez dit, bon, ok, n'est-ce pas, travail. Mais l'on analyse qui ça travaille à faire, travaille à faire 3 dollars minimum par jour, il n'y a pas même faire. L'on a des Canamères, par exemple, Canamères interview avec quelqu'un qui travaille, il dit que travaille à dépenser près de 2,5 dollars déjà. Il dépense 1 dollar. On prend pour manger, il dépense pour le transport, autobus, camionnette, etc. Donc, ça crée, il n'y a pas même qu'à payer logement, payer loyer, payer et occuper pour étudier l'école. Donc, on ne peut pas dire réellement que un bénéfice extraordinaire qu'on tire de 60 000 travailleurs. On ne peut pas détruire tout un système économique qui est basé sur l'agriculture, l'infini pour la gueule dans le parc industriel et puis qui n'est pas rien non plus tout. Donc, on est clair sur ça. Eh bien, monsieur, nous, ouais, conséquences. Occupation a été portée pour nous. Ah, bon, conséquence et... extrêmement importante, c'est conséquence politique. Là. C'est qu'on n'a pas le droit. Décider pour tête ou qui système de gouvernement avenue non mais par exemple c'est eux même qui viennent dire bon yo bon en fille bon égal là c'est eux même qui choisissent pour c'est pas peuple haïtien qui mettait en fille avec égal là dans pouvoir. OK, là par exemple on va cap décider dans Nations Unies Haïti pas gain la loi pour dire bon d'accord avec ça. Par exemple là tu vas décider si pour ba Israël pour Israël vinn état. OK, Haïti ton petit gens et t'a discuté au moins li vote ton gens et puis yo relé la loi yo dit qui droit gien yo prend ambassadeur américain yo mande qui droit pour voter tel gens et puis yo graisser patte li et yo ballon 20 millions et puis li fait la bouche li même pas l'an passé le t'a pral discuter est-ce que yo doit kembe Cuba dans OEA organisation état américain le yo Haïti vote t'able voter ton gens yo graisser patte Haïti yo ballon 20 millions de dollars encore li vote ton l'autre gens. Donc ça veut dire qu'on pas gain aucune personnalité politique ou pas gain droit décider qui système gouvernement qui pi applicable à situation ou c'est ça nèg yo di ou fait c'est ça flagrant entre les États-Unis et Haïti c'est pas parce que au niveau théologique Dieu nous a abandonné et qu'entre-temps Dieu prend soin des États-Unis. Mais c'est parce que, comme l'une des causes, notre richesse a été et est et sera volée par les États-Unis. C'est clair, Dieu ne nous a pas abandonnés. Malheureux en bas net qui pas joindre en ken l'autre côté pour le manger, manifestation vient tout non programme pour lui parce que c'est là le fond ticob. En haut net, a financé en bas net pour mon à pied, pas vle ou moun nan machine. Pour mon soulier, pas vle ou moun pi à terre, c'est pour pays arrêter de diviser, parce que si nous quittons pays, ça a collé tête li ensemble, nous pas kaken bel. Combien grand nèg ou j'aime tant de tomber dans l'insécurité? Ou ve bouchou répondre, capon, ou sinon le voile la kaou, combien moun ou kon oué, qui grand nèg et pourtant de qui tombe dans l'insécurité? Parce que c'est mon classe moyenne, n'a pas doit faire aucun effort. Il n'a pas doit entrer dans le business, parce que s'il vient entrer dans le business, il a une élite économique, il est capable de concurrencer avec le monde. Faut qu'il reste en bas, faut qu'il reste de côté lié, c'est consommateur pour lié, il n'a pas doit jambes propriétaire. Et c'est dans le moment ça où il a monté l'équipe, parce que qui est-ce qui qu'on a avoué? Mais je n'ai pas mauvais pile! Je n'ai pas mauvais pile! Radio Liliana s'est dévoré, l'a dévoré. Réclame son gêné a passé pirette malgré m'a pas payé. Jean Mona s'est dévoré, l'a dévoré moun pour moi. Secteur populaire campé dans Doum. Kato dévoré moun pour moi. Seul Jean pour m'bon ville, la forme réduite de l'ensemble. Donc, moun sa yo, yo est à vem. Yo il a torti, ou pas qu'a dit, j'ai l'a famille allié, bloqué ou bien débloqué, pas bien, ou qu'on bam 25 heures, ou qu'on bam 30 000 l'olam. Réginal Boulos, ou qu'on bam l'argent. Ou quand même moto. Il y a deux compagnies seulement qui ont un téléphone portable en Haïti. Il y a cinq personnes qui ont importé gaz dans le pays. Il y a cinq personnes qui ont importé fer seulement dans le pays. Il y a trois personnes seulement qui vendent farine dans le pays. Il y a quatre personnes seulement qui vendent du riz dans le pays.
Ça veut dire que son économie qui prend en otage. Donc ça veut dire que sous papa mi moun sa yo, c'est papa d'ap pour le vendre. Sous papa moun sa yo, son petit dépôt qu'a revendre cola pour le vendre. Now, au fin garder quatre vidéos ça yo. La question qu'on doit poser ici, qui ça moi-même ensemble avec non capable faire pour que nous capable changer ou bien bay Haïti yon l'autre direction. Parce que nous arrivons dans une période côté Haïti pas qu'elle est plus bas encore. Par conséquent, nous avons besoin de mettre tête ensemble, mettre et combiner efforts nous ensemble pour que nous capable faire quelque chose qui capable déboucher à Haïti, à bay non yon l'autre Haïti et de là génération qui va venir capable joindre en Haïti qui a progressé, yon Haïti côté bien l'espoir. Côté Haïti, chérie, nous toutes nous aimons, capable vraiment retourner comme étant donné la paix des Antilles, une fois de plus. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. À la prochaine.